Isabelle et bienvenue à la série vidéo Je bouge, où je partage des idées de jeux de psychomotricité pour aider les habiletés moteurs et physiques chez les enfants. Cette semaine, le jeu s'appelle La pousse des fleurs et s'adresse aux enfants de 3 à 5 ans. Vous aurez besoin d'un espace au sol ou simplement d'aller à l'extérieur. Ce jeu aidera à développer l'équilibre, la coordination, l'imagination et à imiter un mouvement. Le jeu peut être joué avec 2 personnes ou plus d'enfants. Vous pouvez donner un rôle de jardinier qui serait en ajout du rôle de la fleur. J'expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo. La prochaine section du vidéo s'adresse aux enfants, mais vous êtes plus que bienvenue de l'écouter par vous-même. Salut les cocos! Mon nom c'est Isabelle et je vais vous montrer comment jouer au jeu La pousse des fleurs. Alors, nous allons faire assemblant que nous sommes une fleur. OK? Alors, on commence comme si on était une petite graine qu'on plantait dans le sol. Alors, ça a l'air comme une petite boule ici. Je vais me mettre à côté de mon arbre et je me mets en petite boule comme si j'étais une graine dans le sol. Et là, on va demander à papa ou à maman ou à grand frère ou grande sœur de nous arroser. Eux, c'est les jardiniers. Alors, pour nous arroser, ils viennent nous chatouiller le dos. Et là, on grandit grand comme une fleur. On pousse, on grandit et on ouvre nos fleurs. J'ai soif. Demandez à votre jardinier de venir vous arroser. Et on revient grand comme une fleur. Oh, c'est la nuit. Je me cache. Je ferme mes pétales. Oh, c'est le matin. J'ouvre grand. Le soleil est sorti. J'ouvre mes pétales grand. Oh, et là, il y a du vent. On bouge comme s'il y avait du grand vent. Et l'hiver est arrivé. On referme et on se cache pour l'hiver. Maintenant, c'est à votre tour d'être le jardinier. À la semaine prochaine! Bye!